Actuellement enceinte de son deuxième enfant, Jessica Tivena peut compter sur son mari Thibaut Garcia et son fils Melon pour l'accompagner lors de ses séances d'échographie. Des rendez-vous intimes qu'elle n'hésite d'ailleurs pas à documenter sur Instagram, où elle donne très régulièrement des nouvelles de sa grossesse. Ainsi, ce lundi 3 mai, la star des Marseillais a partagé une vidéo particulièrement craquante, où Melon rencontre pour la première fois son futur petit frère ou sa future petite sœur à travers l'écran de l'échographe. Dans celle-ci, le bambin apparaît tout intrigué face aux images et au son des battements du cœur du bébé, regarde le petit cœur du bébé, lui indique ses parents avec tendresse, alors que le petit garçon se montre particulièrement intéressé. Première rencontre, mon fils est tout content, a noté Jessica Tivena en légende de cette vidéo qui a fait fondre les internautes. Oh je merci, est-il trop mignon, que ça va être mignon de les voir ensemble, Melon va être un grand frère formidable, beau moment de famille, peut-on ainsi lire dans les commentaires. Un début de grossesse difficile pour Jessica Tivena, si elle se réjouit à l'idée de goûter une nouvelle fois aux joies de la maternité. Jessica a connu un début de grossesse particulièrement difficile, comme ce fut le cas lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant. Le 3 avril dernier, l'ex de Julien Tanti a été opéré pour un cerclage, une intervention chirurgicale qui consiste à maintenir le col de l'utérus afin qu'il ne s'ouvre pas trop vite. Le cerclage s'est bien passé. La gynéco m'a dit qu'elle avait vu les cicatrices de l'ancien cerclage sur mon col. Maintenant il faut juste espérer que mon col ne bouge pas, a-t-elle confié sur les réseaux sociaux, précisant qu'elle allait devoir passer 2 semaines alité sans bouger, afin de se remettre de l'intervention. Je reste à la maison, on a installé le lit en bas. Je vais dormir en bas pour éviter de monter les escaliers. Je suis pas complètement interdite de monter non plus ou de bouger comme la première fois, mais je suis en repos.